Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, donc ça va être la chanson qui. Ça fait ultra longtemps que j'ai envie de le faire ce tag et je me suis dit pourquoi pas maintenant. Sachant que mon style de musique, les musiques que j'écoute, ça change toutes les semaines on va dire. Genre j'ai vraiment pas un style de musique fixe, ça change H24. Il faut savoir que dans un mois, je pourrais refaire le tag, il n'y aurait pas du tout les mêmes chansons. Je vais tout de suite commencer. Première question, la chanson qui te fait rire. Si vous suivez mes vidéos, en fait, c'est la chanson sur laquelle on danse avec Tara quand on est en Bretagne à Carnac. C'est genre, vous savez le truc avec les pieds, genre tu fais tac 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 tac, bref. Et c'est une musique japonaise qui me fait bien rire parce qu'elle est, elle est pas habituelle, on va dire. C'est pas le genre de musique. Bref. Question numéro 2, la chanson qui vous donne la pêche, donc en ce moment, c'est All My Love de Major Lazer et Ariana Grande du film The Hunger Games, The Mockingjay, donc voilà. Question numéro 3, la chanson que vous auriez aimé écrire. Alors moi c'est Take Me to Church de Hozier, mais c'est le remix Wolfsking Bootleg, enfin bref c'est un truc chelou. Mais c'est un remix de cette musique que j'adore. Ensuite, 4, la chanson qui vous rend nostalgique. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous mettre la dernière que j'ai ajoutée à ma playlist, comme ça c'est vraiment... En gros, c'est le tag la chanson qui du moment. Voilà. De Sam Smith, I'm not the only one. Question numéro 5, la chanson qui vous rappelle votre adolescence. Je suis dedans, je suis dans mon adolescence. Donc je vais dire. Je sais pas, celle-là. Robin Schultz feat. Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Question 6, la chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez, je vais la passer parce qu'en soi, si y a un artiste que je déteste, bah, j'écoute pas sa musique, ça me paraît logique. Question 7, la chanson que vous admettez aimer honteusement. Moi c'est pareil, j'ai pas honte de ce que j'écoute, donc logiquement aucune. Question 8, la chanson dont vous aimez les paroles. Alors celle-ci, j'adore les paroles, c'est No Guns Allowed avec Drake, Snoop Lion... Et Cory B, je sais pas qui c'est. La chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller. Alors c'est une musique que j'écoutais genre l'été dernier. C'est ADHDS, genre c'est un truc inconnu, mais en gros c'était la musique de générique de la web série Summer Break. Donc si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, j'adore cette série. Donc voilà, c'est ça. To hurry.
10, la chanson qui vous rappelle votre enfance. Alors là, il n'y a pas d'hésitation, même s'il y en a plusieurs que je pourrais vous faire écouter. Ça reste Accéléré de Last Ketchup. Normal. Bref, qui ne la connaît pas? 11, la chanson qui vous fait penser aux vacances. Alors moi, c'est... J'en ai plusieurs, mais celle qui me fait penser surtout à la Floride, c'est... Ah non, non, faut que je monte celle-là. Non, celle-là me fait penser énormément à la Floride aussi, parce qu'en fait, je suis partie en camp... Camp où il y avait plein de gens, un camp international, en gros, en Floride, où il y avait plein de nationalités, et les Espagnols, ils écoutaient tout le temps ça. La chanson qui vous rappelle votre meilleur ami, je sais pas, j'en ai aucune. Non, franchement, je sais pas. 13, la chanson qui vous fait pleurer, franchement, je pleure pas forcément à cause de chansons. Donc, on va passer aussi celle-là, voilà. Ok. 14, la chanson qui vous fait penser à votre solitude, c'est Fall and What As The Snow Changes. Bref. La chanson que vous aimez chanter, Best Mistake de Ariana Grande feat Big Sean. Big Sean, Big Sean, Big Sean. La chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment. Je sais pas, j'en ai aucune qui correspond à mon état d'esprit, mais je vais vous faire écouter The Weeknd, la chanson Earned It. Bref, mon accent est parfait, je sais, je sais. Bref, elle est trop bien et je l'aime trop en ce moment. Voilà, et dernière question, la chanson que vous détestez par-dessus tout. Bref, j'ai aucune idée. Même sans avoir répondu à toutes les questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'a pas été trop rapide dans le sens où là je suis en retard au lycée, donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et voilà. Ciao!